Dernier jour à Los Angeles, on est un petit peu triste. Mais bon, on va aller à Beverly Hills, j'ai pas encore été durant mon séjour. Et ensuite à Santa Monica, donc je suis trop contente. Donc on va aller se balader sur Rodeo, prendre un petit Starbucks. Et ensuite on va aller du coup à Santa Monica. Et on a avec Beauty Pass droit d'aller manger, on a le droit. On a en fait un plat offert chez Impasta. Impasta, moi c'est le resto de Harry, son cher Harry. Mon cher Harry. Et il a un resto aussi à Beverly Hills, Impasta. Voilà. Que je vais te montrer. Et en fait, c'est tout végétarien, vegan. Bah, les deux. Et enfin, c'est veggie et t'as des options vegan. Ok. Et c'est gluten free. Et ici, c'est un peu genre. C'est ouais. En fait, c'est pas vraiment des pâtes, c'est du squash, ça. Ouais, et des courgettes. Voilà, il y a de la fausse bolognaise, etc. Donc je pense que je vais adorer. Donc trop hâte de découvrir le resto de Harry, quoi. Voilà, et puis bon, on achètera un petit coca. Voilà, pour soutenir le business. Pour soutenir le business, on achètera un coca. Mais bon, merci Beauty Pass quand même, quoi. Oui. On est venu au Maybourne Hotel, anciennement le montage. C'était vraiment mon QG, dès que j'avais envie d'aller faire pipi. C'est ce qu'on a fait là. Voilà. Et là, on va bouger à Santa Monica. Pour aller manger gratuit. On a payé un Uber. Pour aller manger gratuit. Et bah, c'est aussi pour regarder Santa Monica. Aussi. On est arrivé du coup chez Impasta, on a pris la même chose, on a pris du coup la fausse bolognaise avec en fait des noodles de zucchini, de courgettes. Ouais. Et on s'est pris deux coke. Et on est vraiment très fiers de Harry qui a un très très bon restaurant. Regardez, c'est cosy, c'est chaleureux, c'est trop mignon. Et vous avez du coup plein de trucs à manger, c'est trop sympa. Bravo Harry. Cause baby love. On est chez Abercrombie, c'est là que j'ai acheté ce pull. Et il y a lui que j'aime trop. J'aime trop les couleurs et tout, il fait vraiment genre vintage, un peu années 80. Mais d'un côté je me dis bon, il est gris comme celui-là. Est-ce que du coup je le prends ou pas? Est-ce que tu en as besoin? Bah oui. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Oui. Non. Non. Et est-ce que tu en as besoin maintenant? Bah oui, c'est ça le truc. Maintenant, oui. Genre maintenant. Bah parce que c'est pas cher ici. Aux États-Unis, d'Amérique. Tu triches? Oui. Lui, il a d'autres. Lui, il est sympa aussi. Là. Ça fait un vintage, j'aime bien. Non, parce que franchement, il casse pas trois pattes à un canard. Oh! Celui que t'as, il est mieux. Oui, mais j'ai déjà. On s'est posé à notre petit QG avec Aurélie. Moi, en fait, on a que des QG finalement. J'ai pris une IPA, j'ai pris du ash brown pour la couleur. On voit pas trop avec la luminosité. Ah,
dirait. Et là en fait c'est des mozzarella sticks qu'on adore prendre ici, c'est vraiment notre petit truc à nous ça. Petite pause dans le vlog pour vous montrer ma sélection que j'ai faite avec la marque Berlouk. Berlouk c'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré dans le passé et franchement j'adore ce qu'ils font. Donc là je vais prendre plusieurs articles, des bikinis, un petit ensemble hyper sympa. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir je suis à Paris, donc c'est vraiment un petit saut dans le temps dans ce vlog. Et je look un petit peu crazy parce que je sors de la douche mais bon c'est pas grave. Alors premier article que j'ai sélectionné, c'est un ensemble 3 pièces, je le trouvais trop joli et j'ai pas du tout ce style de maillot de bain en plus, c'est un petit peu brillant comme ça, hyper joli, avec du coup le haut comme ça et on a aussi le petit pareo qui va avec. J'aime trop les ensembles comme ça avec un petit pareo parce que je trouve ça hyper pratique à la plage, hop. Habit et vraiment trop sympa cet ensemble. J'ai pris le haut en S et le bas en XS. Ensuite, dans le même esprit mais dans une différente couleur, j'ai pris cet ensemble donc rose comme ça, aussi un petit peu paillette. Cet ensemble il existe aussi en plusieurs modèles. Là j'ai pris le haut qui est comme ça mais il y a d'autres formes de haut et de bas, voilà. Et le bas qui est comme ça avec les petits nœuds, trop joli. Ensuite j'ai pris un maillot de bain, une pièce, et franchement c'est mon coup de cœur, donc j'espère vraiment vraiment qu'il va m'aller parce que ça faisait longtemps que je voulais un maillot de bain comme ça. Je trouve ça super élégant, noir et blanc comme ça, je trouve que ça fait très sud de la France sur un bateau, je sais pas, j'aime trop, vraiment je le trouve trop joli, vraiment très chic. Dans le dos c'est ouvert comme ça avec le petit nœud et j'espère vraiment qu'il va m'aller. Je crois que je l'ai pris en taille S si je me trompe pas, ouais je l'ai pris en taille S, j'avais hésité avec XS. Mais mes anciens maillots de bain, une pièce de chez Berlouk que je les avais pris en S, donc logiquement ça devrait m'aller. Ensuite j'ai pris un maillot de bain blanc, pareil celui-ci vous avez plusieurs modèles de bas et de haut, il y a plusieurs formes différentes, donc moi le haut j'ai pris comme ça, donc voilà. On peut enlever les petites bretelles pour faire vraiment un effet juste bandeau. J'aime beaucoup la matière et ce petit effet comme ça avec les petits liserés, je trouve ça hyper joli. Ça bronzé, bon je le suis pas trop mais... Et la culotte elle est comme ça, assez échancrée. Très très jolie, j'aime beaucoup. Et pour finir j'ai pris un ensemble, donc on a le short, donc j'ai pris noir mais franchement il existe en plein de coloris différents. C'est vraiment un petit ensemble à mettre par dessus le maillot de bain avec la petite chemise comme ça. Voilà, on voit donc c'est en lin, donc on voit d'ailleurs la transparence, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi en noir et pas en blanc par exemple. Parce que je voulais pas qu'on voit trop le maillot de bain en dessous, enfin, au niveau du bas. Du coup voilà, les manches un petit peu larges comme ça, je trouve ça trop joli pareil, je trouve ça vraiment très élégant d'avoir des ensembles comme ça pour l'été, pour la plage. Ah, donc je l'ai pris en taille XS vu que c'est un petit peu loose et le bas je suis peut-être pris XS aussi. Ah non j'ai pris S le bas, on verra mais je pense que ça devrait aller, on va essayer. Vous avez moins 20% de réduction avec le code MARIONL20 que je vous mets juste là. En barre de description, vous pouvez retrouver du coup tous les liens des articles. Et franchement, ils ont pas mal de choix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que la qualité, elle est vraiment top. Et les modèles, je trouve très... Enfin, il y a vraiment des modèles assez originaux et des modèles vachement plus...
on va dire intemporelles, très élégantes, très chic, et vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et merci Berlook. Et le vlog continue. Aurélie a un cadeau pour moi de Hawaï. Je pense que c'est temps pour deux. Tu penses que c'est quoi? T'as dit que ce que tu pensais? Ah, c'est pas ça, pardon. Tu te rappelles, on s'était mis d'accord, je t'avais dit que quand je partais en voyage, j'offrais des trucs à des beaux-filles. Ouais. Et c'est quoi? Elle a quand même attendu la fin du séjour, ça fait 10 jours qu'on est ensemble. Je sais quoi, téléphone, mais tu peux me filmer. Ça fait quand même 10 jours qu'on est ensemble. Attends. C'est Dalil qui nous a rejoint pour la dernière nuit ici. Ouais. C'est on déjà Dalil. Your legs are... Tiens, t'as juste à tenir. Ok. Apparemment, donc, elle a un cadeau à m'offrir de Hawaï. Quand j'étais à Hawaï, j'ai offert un cadeau. Ok, you know, I'm filming, I'm talking to you. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Voilà. Attends, bouge pas. The vlog? Ah, c'est ce qu'on va faire. Ok, génial, j'ai dit. Non, j'ai dit. Je sais ce qu'on va faire. J'ai peur, un peu peur. Main droite ou gauche? Je pourrais... Tu peux ouvrir les yeux. Droite. La ma droite ou ta droite? Ça là. When did you go back? Et moi aussi, regardez. Oh, j'adore. Et regardez, c'est pas tout à fait le même, donc bah on a choisi, c'était le dessus. Oh, okay. Oh, j'adore. Moi, je préfère regardez. Le... Non, je rigole. Avec elle. Je rigole. Je avec elle. Parce qu'elle n'avait pas les deux pareils. Tu aurais fait lui? Mais non, je rigole, c'est... j'ai choisi exprès comme moi. Moi, je préfère lui. Ah, bah, elle est tombée. Oui, regardez, Hawaï. I can't hear you because these girls are so loud. Ouais. Ouais, on a le même déjà pour entendre. Merci, c'est trop joli. Ah, j'adore Fruit of the Loom en plus. Moi, c'est moi aussi. C'était le fournisseur de ma part. Regardez. Je t'en prie. Merci, ma belle. J'ai besoin de vous couper champagne. Trop chaud. C'est vraiment. Oh, Nadine, il a pas de cadeau. Il était avec moi. Bon, on va se faire un petit jacuzzi. Aurélie est en train d'éditer. On a mis des petites nuggets veggie dans le four. Et on s'est servi un petit verre. Il y a du coup Dalil qui est là. Qui nous a rejoint pour notre dernière soirée à LA. Trop triste. Par demain, on est un petit peu triste, mais bon. On va quand même profiter ce soir de notre petite soirée avec la petite Aurélie. Dalil, t'as oublié de sortir les nuggets du four? Dalil, ouais. Parce que moi, j'arrive pas à sortir les nuggets du four. Et Dalil, dire, bah, si tu sortes les nuggets du four, mais de toute façon, c'est Dalil qui le fera. Non, parce que j'arrive pas à Dalil, tu veux que je le fasse? Je dis, bah, oui. Ah oui. Ah ouais, je crois que là, c'est mieux. Ah, ça a l'air mieux. Ouais. Parfait. Super. Ça y est, dernier jour. Bah ouais. Enfin, dernier jour. On va du coup là à l'aéroport. On est un peu triste, mais c'est pas grave. On est juste deck de pas avoir le même vol. Ça, ça nous fout en l'air quoi. Ça nous fout en l'air vraiment. On va pas pouvoir attendre ensemble à l'aéroport. Ouais, ça c'est dur. Moi j'ai le vol à 15h, là, son vol à midi. 50. Donc en plus on est un petit peu en décalé. C'est midi 50? Ouais, et j'ai une escale. Au Canada, hier à 1h du mat, je me rends compte qu'il faut un AVE, je sais pas quoi, pour aller sur Canada. Putain, le stress. Voilà. Bon bah merci en tout cas d'avoir regardé les vlogs à LA. C'était trop bien. On a trop aimé faire des vlogs à LA. Et on sera de retour bientôt. Bye.